les mecs. Nouvel unboxing aujourd'hui, on a un super clavier. Enfin, un clavier assez what the fuck, mais vous allez voir, c'est vraiment cool. Donc c'est parti. Alors effectivement les amis, aujourd'hui j'ai l'impression d'avoir les yeux complètement défoncés, mais c'est pas le sujet. Rassurez-vous, aujourd'hui le sujet c'est tout simplement ce colis Amazon que j'ai ouvert par le fond pour voir ce que c'était. Et effectivement c'est une marque qui m'a envoyé tout simplement un clavier en bambou les amis, c'est vraiment ouf. J'ai vraiment envie de voir ça, je vais tester avec une souris. Je crois que je vais jamais sortir la vidéo, mais bref, je vais déjà tester la souris mais jamais un clavier en bambou. Alors j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. En tout cas je sais que là mes cheveux c'est un peu n'importe quoi, c'est un petit détail qui a toute son importance. Donc voilà les amis, dans cette vidéo il y aura un concours pour gagner tout simplement le clavier. Il faudra tout simplement être abonné, activer la cloche et marquer un commentaire pertinent sous cette vidéo. Et j'enverrai le clavier à un gagnant que je tirerai au sort durant un live ou au début d'une vidéo. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à participer tous. Et du coup il faut vraiment être abonné, activer la cloche, c'est très important. Je vérifierai, je demanderai un screen au gagnant et marquer un commentaire pertinent sous cette vidéo. Donc voilà. Bonne chance à tous, nous on va se contenter d'ouvrir le petit colis. Je tiens néanmoins à préciser que ce sera ce colis même que j'enverrai au gagnant. Donc j'ai pas intérêt à casser le clavier, vous inquiétez pas les amis. Et juste avant de passer à la vidéo, n'hésitez pas à mettre mon petit code créateur JX le slime dans la boutique d'objets Fortnite. Voilà, ça me ferait super plaisir. Merci infiniment à tous ceux qui le feront, ça prend 2 secondes. Si Fortnite est lancé, tant mieux, mettez-le tout de suite. Bref, nous on se retrouve en vision unboxing. C'est parti. Ok, bien re les amis, on se retrouve tout simplement en vision unboxing pour ouvrir ce petit colis Amazon qui est en carton, qui est assez grand, assez large. On va pas trop s'attarder sur le colis Amazon qui est basique, complètement basique, rien de plus normal. Ok, c'est parti, j'espère que la qualité de mon micro est complètement meilleure. J'ai essayé de faire quelques réglages et ça a l'air de bien fonctionner. Ok. On a tout simplement le clavier sous les yeux. Hop, donc c'est super sympa. On va tout analyser. Je tiens à dire que cette vidéo est une vidéo sponsorisée, rémunérée. Voilà, je suis honnête avec vous. Quand ce sera sponsorisé, je vous le dirai. Avec ça, je pourrais tout simplement acheter par exemple de l'éclairage. Mais là, j'ai bien envie d'acheter de l'éclairage parce que je pense que j'en ai vraiment besoin. Bref, on passe tout simplement à la review du packaging. Alors du coup, ça c'est super cool en termes de marketing. Genre, ça fait vraiment plus écolo et tout. Et c'est vraiment leur but. C'est, je pense, leur modèle un petit peu. Enfin, ouais, voilà. Regardez, leur marketing, ça a rien à faire sur mon setup. Donc on a des petites images, des petites phrases, écoutez, qui font un petit peu réagir et qui nous pousseraient à acheter le clavier, ou enfin nous faire comprendre que c'est bien ce qu'on a fait. Et eux, leur optique, c'est vraiment tout ce qui est écologie et l'éco-responsabilité, d'après ce que j'ai compris. En plus, il est Bluetooth, les amis. Alors après, j'aimerais voir si c'est vraiment du bambou, etc, etc. Mais je pense que, bah oui, sinon ça serait complètement débile de me l'envoyer. Ok, alors ça, c'est super cool. Attendez, bougez pas, je suis comme un gosse là parce que j'ai jamais vu ça de ma vie. La souris, j'ai déjà vu une souris à peu près pareil. Je crois que c'était même chez eux que j'avais acheté une souris. C'était même chez eux que j'avais acheté une souris comme ça. Écoutez. Et bah, en fait, c'est tellement lisse qu'on dirait du plastique. Mais si on touche les côtés et tout, ça sent qu'il y a des petites... Bah on sent les trucs de bambou et en fait ça prouve que c'est vraiment du bambou. On va le sortir, peut-être un petit peu de vernis dessus, enfin c'est bien poncé et tout. Et c'est pour ça que ça paraît vraiment lisse et qu'on dirait du plastique tout simplement. On balance le packaging. Déjà on a ça, notice d'utilisation, ok, gestion de la batterie. C'est très, on va dire, intuitif. On comprend tout, il n'y a qu'une fiche, il n'y a pas anglais, français, allemand et tout. C'est en français et on comprend beaucoup de choses en lisant très peu. Et c'est super. Mais on va pas s'attarder sur ça les amis, bien sûr. On va s'attarder sur le produit en lui-même. Alors, qu'est-ce que le produit a et comment il est? Déjà, est-ce qu'on peut enlever les touches? Je ne crois pas. C'est pas un clavier gamer. C'est plus de la bureautique. Donc on peut pas voir les switch. Voilà, on peut voir leur marque ici. C'est cool. Là, il y a un petit truc pour voir le Bluetooth, je pense. On va regarder derrière pour pouvoir brancher le clavier. Enfin, mettre les piles. Ok, regardez ça. C'est parfait. Hop, pour soulever le clavier, c'est parfait. Oh bah c'est du génie. Je me disais oublier de mettre le petit capuchon, mais non, c'est du génie les amis. C'est tout simplement comme ça. Ok. Bon, ça se voit un petit peu, c'est comment dire. Ça me fait penser vraiment aux petites constructions que je faisais quand j'étais petit, etc. Ou est-ce que vous avez pas 36 solutions? C'est vraiment un petit peu genre vous avez vu pour défaire les petits capuchons derrière pour le faire tenir en hauteur. C'est un peu difficile, mais ça fait le charme en fait, je trouve, du clavier. Ça donne un charme vraiment, étant donné que bah faut rester dans le thème. C'est quand même du bambou. On peut pas tout faire non plus, mais tout est là. J'ai l'impression que tout est là. Donc je reviens dans quelques secondes les amis. Je vais chercher des piles, à tout de suite. Et bien re les amis, j'ai donc réussi à brancher le clavier et la souris. Donc ce qui veut tout simplement dire que bah ça fonctionne, regardez bien. Voilà, ça fonctionne, je peux écrire tout ce que je veux, ça fonctionne. Et la souris, bah pareil, regardez bien. Voilà, ça fonctionne. Bref, tout fonctionne bien. Je vais donc faire une petite cinématique pour Switch.
Et bien tout le monde, je suis avec le clavier et j'ai pas mis la souris parce que sinon ça va être trop galère étant donné que je build avec les boutons de ma souris. Donc là on voit ma sale gueule avec le clavier. On va simplement tester ça en build fight. Donc c'est parti les amis. Personnellement là j'ai fait quelques build fight et j'arrive vraiment bien à 90. Je vais mourir. Allez hop c'est parti. Non. Si. Ah tu j'en ai marre là, putain. Mais mec aussi tu veux. Non mais t'es sérieux? En plus tu l'aimais. T'as crié gros. Arrête gros, ça me casse les couilles. Maintenant quand je te bulle fight gros c'est injouable. Je fais de pisser les guilles fils de. T'as pété fils de pute. Eh fils de pute t'as pété. Elle a chié dans mon lit ce bâtard. Oh t'as pété fils de pute, ça pue la merde d'ouf. Elle a chié dans mon lit ce bâtard. Tasse. Oh ça me fouette. Ah mais gros t'as le cul. Ah non mais mec y'a des trucs je pourrais pas mettre, t'es trop chiant. Ah mais je rigole. Ah, ah. Non mais j'ai mis un escalier. Arrête. Non mais gros déconne pas là par contre. Mais ah. Non là tu déconnes par contre gros. Oh bien joué. T'es vraiment le meilleur mec. T'es trop chaud. T'as un peu la voix de Jimmy. Oh là là Jimmy. Oh bien joué Kaledit. T'es trop chaud mec. T'es vraiment le meilleur des meilleurs toi. Je me suis remarqué mais. Vitality mec. Allez viens. Mais quoi? T'as jamais remarqué mais. T'as jamais remarqué mais quoi? Bah t'as la voix de Jimmy en fait. Oh les gars, c'est Jimmy pour une nouvelle vie. Non! Arrête! Oh non, s'il te plaît! Non, t'es pas drôle. La vie de merde, t'as un gros fils de. Mais non, mais gros! Oh, tu m'as enfermé, sale bâtard. Aïe! Tu peux, voilà. Tout peut changer en deux secondes. Non, regarde, là, ça c'est trop chiant. Non! Non, arrête, je vais câbler. Arrête, non, si je perds, gros, je déco vraiment. Arrête, ça me casse les couilles là. Non! 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 Arrête! Arrête! Non, s'il te plaît, deux secondes, non, arrête! Non! Crie mon nom! Arrête, non! Ah je déco la vie de ma mère, je déco, gros fils de non. Pute! Allez, mais gros! Arrête! Gros! À chaque fois, c'est comme ça! Ah non! Oh là là! Je déco, quittez. Arrête! Ah non, mec, non! Donc les amis, petit résumé du clavier. Alors les points positifs du clavier, c'est déjà son originalité et le fait que ce soit agréable au toucher, que ce soit de qualité, que ce soit lisse. Ce qui est cool aussi, c'est que c'est en bambou, même derrière c'est en bambou, vous pouvez le voir. Ça peut être un très beau cadeau pour vos parents ou un frère et sœur. Les touches sont vraiment gravées, donc vous pourrez pas simplement les effacer vu que c'est dans le bois. Et bien évidemment, il est disponible sur Amazon.